Calculer la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x fois la sinus x sur tangente cube de x, vous aurez remarqué que c'est un rapport de fonction trigonométrique 1 moins cosinus x fois sinus x divisé par la tangente cube de x. Et ça, il faut rechercher ça quand la limite tend vers 0. Alors la première des choses, c'est de voir la fonction 1 moins cosinus x. On va la construire. Donc on a cosinus x que voici, défini dans R. L'opposé qui est voilà, une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OX. L'axe OX. Donc on a l'opposé moins cosinus x. Et puis je remonte tout d'un cran. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que comme moins cosinus x est compris entre moins 1 et 1, eh bien la fonction 1 moins cosinus x sera décalé d'une unité vers le haut, c'est-à-dire moins 1 plus 1, ça fera 0, elle va commencer en 0, au niveau des images, et 1 plus 1, ça fait 2, donc elle va être bornée de 0 à 2. Donc, cette fonction-là est bornée de 0 à 2. Y égale 0, et y égale 2. Voilà, vous voyez que cette fonction, 1 moins cosinus x, est bornée entre 1 et 2, c'est normal, parce que comme cosinus x et moins cosinus x sont bornés entre moins 1 et 1, ben, si on remonte tout d'une unité, on fait plus 1. Donc elle sera bornée entre 0 et 2. Bon, ça c'est la borne, mais en tout cas, son domaine, c'est R. Hein, elle est définie dans R. Maintenant, si je vais chercher la fonction sinus x, vous la connaissez, elle est définie aussi dans R. La fonction tangente, la voici. Et la fonction tangente cube, la voilà. Alors, elle est définie bien sûr dans R, sauf en pi demi plus kpi. Alors, si je mets. Les asymptotes. Pour ça, je vais chercher un curseur que je vais mettre ici. Définir de moins 5 à 5, on va mettre moins 8, 8. Et nombre entier par incrément de 1. Alors là, je vais mettre les asymptotes. X égale pi demi plus, alors ce fameux curseur c'est n1, n indice 1 fois pi. Voilà, et on va pouvoir voir ces fameuses asymptotes en déplaçant le curseur. Voilà, deuxième. Donc vous voyez que tangente x est défini bien sûr en pi demi, enfin dans R sauf pi demi plus kpi. J'aurais pu faire ça avec les négatifs. Hein. Donc ça c'est pour la petite histoire. Bon, alors pour voir ça, ben, tangente x doit être différent de x doit être différent de pi demi plus kpi, c'est-à-dire x différent de pi demi plus. Si je me suis. J'ai pas terminé. Hein. Si je mets en pi demi, pi, voilà, c'est 2k pi demi. Donc c'est pi demi, 1 plus 2k. C'est 1 plus 2k. Donc tangente, qu'on prenne tangente x ou tangente cube de x. La tangente cube de x est aussi définie en pi demi plus kpi. Remarquez, la tangente, si je prends un curseur, la tangente cube, je vous ai dit comment elle était. Hein. Maintenant, voyons voir la tangente exposant n. La tangente exposant n, pour ça je vais mettre un curseur.
que je mette ici, que je vais appeler C. Bon, on va le mettre positif. On va aller jusque 10 par incrément de 1 et il sera entier. Alors, donc ici, je vais mettre tangente x exposant L. Alors bien sûr, il faut que j'efface les deux autres. Voilà. Et si je trace les fonctions tangentes, voilà, quand elle est positive, enfin quand elle est paire, l'exposant est paire, ben, ça donne du positif. Et si l'exposant est impair, on a du positif et du négatif. Voilà, toujours avec des asymptotes qui sont en pi demi. Pi demi et puis plus qu'à pi. Donc c'est pi demi plus qu'à pi. Hein. Voilà. Le pi, moins pi demi, je l'obtiens en mettant k égale 1. Donc j'aurai égale moins 1. Donc j'aurai pi demi moins pi, ce qui fait moins pi demi. Voilà. Donc le moins pi demi, je l'obtiens en faisant pi demi moins qu'à pi. Donc ce sera pi demi plus qu'à pi. Pour la tangente et tangente cube. Et on se rapproche, voilà, plus l'exposant se réduit, plus on se rapproche des asymptotes. Voilà, donc ça c'est pour la fonction tangente. Maintenant, voyons voir, ça c'est la, on va dire, la barrière naturelle de la fonction tangente ou voire tangente cube. Sa barrière naturelle, ben c'est pi demi plus kpi. En d'autres termes, c'est pi demi plus fois 1 plus 2k et k appartenant à z. Mais attention qu'ici ce qui se passe, c'est que on a une tangente cube qui est au dénominateur, donc elle doit être aussi différente de 0 du fait qu'elle est au dénominateur. Alors quand est-ce que la tangente vaut 0? Ben, la tangente vaut 0 en 0, voilà, mais aussi en kpi, 0 plus kpi. Donc x doit être différent de 0 plus kpi. Et donc qu'est-ce qui ça va donner quoi comme domaine? Et le domaine, c'est le voici, 0 plus kpi qui annule le dénominateur et la, voilà la l'asymptote naturelle de la tangente qui est pi demi plus kpi. Bien sûr, avec k appartenant à z. Maintenant, voyons voir où se situent les asymptotes verticales et le point de discontinuité. Et ça, il faut faire les calculs, bien sûr. Hein. Pour savoir ça, il faut faire les calculs. Pour ça, je vais construire la fonction. 1 moins cosinus x fois sinus x, le tout sur tangente cube de x. On va agrandir ça, puisqu'elle est le taux cube. Hein. Bon, j'ai complètement raté. Je vais mettre une parenthèse.
La voici. La voici. Alors, où sont les asymptotes verticales? C'est un mélange qui se trouve dans le domaine. Hein. Voilà, les asymptotes et les points de discontinuité, c'est bon, c'est une retraduction du domaine, mais en prenant les asymptotes qui vont se situer à un certain endroit. Voilà, du domaine et les points de discontinuité qui vont se situer à un certain endroit du domaine. Mais le domaine, c'est toujours capi, capi plus pi demi plus capi. Alors pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un curseur. Je vais mettre un entier. Je peux mettre négatif. Je vais mettre entier. Je peux le mettre négatif. Hein, moins 10 à 10. Par incrément de 1. Alors je vais chercher la droite x égale 2k plus 1 pi. C'est 2n, je m'excuse, c'est pas 2k. Si dans GeoGebra je l'appelais n curseur. Voilà, donc on a sin égale 1, n égale 0, n égale moins 1. Voilà, et ça c'est les asymptotes verticales, hein, naturelles. Alors là, vous avez compris que c'est n égale moins 1, moins 1, 2n moins 1, n valant moins 1, 2 fois moins 1, moins 2, plus 1, moins 1, donc c'est fait moins pi. Et bien sûr, moins pi n'est pas dans le domaine, parce que si je prends k égale moins 1, ça fait moins pi. Donc on rejette moins pi. Voilà. Donc vous voyez que les asymptotes verticales sont incluses tantôt ici, tantôt là-bas. Les points de discontinuité, ça doit être pareil. Bon, voilà. Et les points de discontinuité se trouvent en deux capis. X égale 2n pi. Alors ici, comme je ne sais pas où est-ce qu'elles sont, parce que je cherche à la limite, je vais mettre 0. Donc là, si je mets n égale 2, on a un point de discontinuité ici. Là, c'est n égale 3, on a un point de discontinuité là. Et ça se suit comme ça. Donc ce point de discontinuité, bien sûr, il est repris dans le domaine. Hein. Maintenant, il faut savoir quand est-ce qu'on a un point de discontinuité, quand est-ce qu'on a une, comment on appelle ça, l'asymptote verticale. Et là, je vous les ai mis ici. À titre de voilà de à titre de remarque, l'asymptote verticale c'est x égale 2 capi, 2 k plus 1 pi. Le point de discontinuité se trouve en 2 capi alpha. Mais alpha, je vais le trouver. Alors, comment on le trouver? Mais justement, c'est le calcul de ceci. Une fois que je l'ai trouvé en 0, mais je peux le trouver pour tous les points de discontinuité que je viens de mettre ici, 2n pi, virgule 0, 2n pi, 2n pi. Alors, faisons le calcul. Je rappelle, la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x fois sinus x, le tout sur tangente cube de x. Bon, ce tangente cube de x, vous aurez compris que c'est sinus cube sur cos cube. Hein. Sinus cube sur cos cube. Et que le cos, ce qui pose problème au niveau du 0 ici, c'est le sinus, hein, c'est pas le cosinus. Parce que cosinus de 0, ça fait 1. Et cos cube de 0, ça fait toujours 1. Donc celui-ci, il est déjà déterminé, il vaut 1. Et 1, bon, il est neutre pour la multiplication et la division. Donc ici, je vais l'enlever. C'est comme si on n'avait rien. Donc c'est comme si je faisais une étude de ceci, en fait. Alors, 1 moins cos x, c'est 1 moins si je fais les calculs
pour redémontrer bon que cos 2x que vaut cos 2x, je vais refaire. Cos x plus x est égal à cos carré cos x fois cos x moins sin x fois sin x. Ce qui fait cos carré x moins sin carré x. Et ça, je vous rappelle que c'est cos 2x. Et là, si je mets 1 moins sin carré x, ça qui fait moins sin carré x. On aura 1 moins 2 sin carré x. Ça, c'est cos 2x. Donc, ce qui veut dire que cos x, qu'est-ce que ça vaut? C'est 1 moins 2 sin carré x, x sur 2. 1 moins 2 sin carré x sur 2. Bon, j'aurais pu passer en cosinus, hein, en cosinus. Donc ça, je vais le ramener. Ici, là. Donc, le cosinus x, c'est 1 moins sin carré x sur 2, tout sur sinus fois sinus, sinus x, sur sinus cube de x. Alors je peux simplifier ce sinus x et ce sinus x là pour faire sinus carré x. Retirons ce qui n'est pas nécessaire. Ceci n'est pas nécessaire. Et il reste au dénominateur sinus carré x. Avec bien sûr la limite qui, quand x tend vers 0. Alors 1 moins 1 ça fait 0 et moins par moins ça fait plus. Donc il va rester sinus carré x sur 2 sur sinus carré x. La limite quand x tend vers 0. C'est ici que je cherchais les infiniment petits équivalents. Alors, avant de parler des infiniment petits équivalents, je vous rappelle qu'est-ce que c'est. Bon, soit deux fonctions, f de x et g de x, deux infiniment petits, hein, attention que ça doit être deux infiniment petits, tous les deux. Et bien sûr, du même ordre. Supposons que l'ordre là soit R et celui-là soit R, pour bien sûr X tendant vers A, eh bien on dira que ces deux infiniment petits sont équivalents si et seulement si on a leur limite, bien sûr, la limite qui vaut 1. Et donc cette définition va impliquer trois conditions. La première, c'est que f de x et g de x sont des infiniment petits pour x tendant vers a. Donc, on a deux infiniment petits pour f de x et g de x, pour, bien sûr, x tendant vers a. Et ça, je l'ai dit parce que je vous ai dit que on a deux infiniment petits. La deuxième condition, c'est que f de x et g de x sont de même ordre. Je vous l'ai dit ici, l'ordre est R. Et la troisième condition, ben, c'est que le résultat fasse 1. Le résultat fasse 1. Bon. Sachant cela, ben, la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x sont des infiniment petits équivalents. Limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, ça fait 1. Alors, sachant cela, ben, je vais travailler... le calcul de la limite par les infiniment petits équivalents. C'est-à-dire qu'ici, je vais aller rechercher, bien sûr, je vous rappelle que
sinus carré x est sinus x sur 2 fois sinus x sur 2, hein, bon, voilà, sur sinus x fois sinus x, parce qu'on a du carré aussi. Donc ce qui veut dire que là, pour avoir un infiniment petit équivalent, je vais créer x sur 2. X sur 2, c'est comme si j'avais rien fait. Encore une fois, x sur 2 fois x sur 2. De telle manière, à, là, on a deux infiniment petits équivalents. Voilà. Oui, attention qu'ici, je me suis trompé. Ensuite, on a x sur 2, x sur 2. Là, et celui-là et celui-là sont des infiniment petits équivalents. Ça veut dire que ça fait 1 ici, ça fait 1 là. Voilà. Et donc, il va rester quoi? Ben, x carré sur 4 sur sinus x fois sinus x, qui est sinus carré x. Et de nouveau, je fais la même chose avec x sur x fois x sur x. Bon, celui-ci, c'est un infiniment petit équivalent là qui vaut 1. Et celui-là, il vaut 1. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? X carré sur 4 sur x carré. On va voir x carré sur 4 sur x carré. Donc, c'est-à-dire qu'on aura x carré sur x carré. Et il va rester un quart. Et ça, ça va tomber, bien sûr, quand on recherche la limite quand x tend vers 0, bien sûr. Donc, la réponse a fait un quart. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé le fameux 2. J'ai oublié un 2 ici. J'ai oublié de décrire ce 2. On m'aurait pas étonné que j'avais fait une erreur quelque part. On en a un peu trop vite. Donc ça c'est 2. Donc là on a 2. De toute façon il peut sortir du signe limite. Hein. Je vais le faire sortir du signe limite. Bon, là on a 2. Je calcule la limite de ceci. Sachant qu'il y a 2 devant. Hein. Il y a 2 devant. Ce 2-là, c'est ce 2 qui est devant le calcul de limite. Donc si je remets le 2 ici, je le remets là, bien, 2 quarts, ça fait un demi. Donc cette limite-là vaudra un demi. Alors, on va vérifier tout de suite. Voilà. Maintenant, je peux changer. Hop, il est là. Il est là. Voilà. Donc, ça, c'est un point rouge, bien sûr. Hein. Propriété. Je vais le mettre en rouge. J'ai calculé la limite en 0. Mais il est valable pour tous ceux qui sont des points rouges. Hein. Les autres sont des asymptotes verticales, donc c'est ça que je vous ai dit. Donc, je vous remercie.